Dans la communauté afro-américaine, le révérend Yule n'est pas très orthodoxe. Il n'aime pas Barack Obama et le clame chaque semaine à la radio lors de son talk show diffusé dans la région de Détroit. Pour le révérend, le 44e président des États-Unis est loin de valoir son prédécesseur. George Bush était contre l'avortement. Barack Obama est pour. George Bush était un fervent supporter de la famille traditionnelle. Barack Obama est un fervent supporter de la famille recomposée, des mariages homosexuels, etc. Et George Bush était bien meilleur en ce qui concerne les initiatives bipartisanes. Par exemple, l'opération « Pas un enfant laissé de côté », ça, c'était un effort bipartisan. L'amour, un frein au sens critique. Mais pas celui d'Akindele, consultante de 35 ans, qui appelle un sursaut des républicains, et notamment des militants noirs, face à un président qualifié de socialiste, en tout cas bien loin de la légende de ses illustres prédécesseurs. Obama l'évoque souvent, mais il n'a jamais suivi la pratique de Lincoln. Par exemple, moins de gouvernement. Obama est à l'opposé, il veut plus de gouvernement. Maintenant, il y a quelqu'un à qui Obama voudrait ressembler. Il voudrait tant être le Franklin Roosevelt du 21e siècle. Si vous vous souvenez de Franklin Roosevelt, de la Grande Dépression et du New Deal, le président Obama aussi a un New Deal, c'est le Stimulus Package. Il pense que les dépenses du gouvernement sont la réponse au problème du déficit. Et ce n'est tout simplement pas la vérité. Cette femme-là, elle peut parler à n'importe qui, à n'importe quelle nation du monde, et négocier et faire passer son message d'une manière un peu plus claire que celle du président Obama.